Un nouveau documentaire intitulé Hong Kong, KRB, a été présenté pour la première fois mardi à Hong Kong. On y voit notamment l'occupation brutale de la ville par les Japonais de la fin de 1941 jusqu'en 1945. Hong Kong Guerre et Paix utilise des images d'archives et des entrevues avec ceux qui ont vécu cette difficile période. Avec des séquences de massacres, des viols et de la famine, le documentaire jette une lumière nouvelle sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Hong Kong. La version intégrale du documentaire dure plus de 5 heures. Celle montrée lors de la première projection de mardi a été réduite à 2 heures et demie. Huang Zuo-tsai, un vétéran de la colonne Dongjiang de la guérilla anti-japonaise du peuple de Guangdong qui a combattu pour la défense de Hong Kong, a assisté à la projection. Ce documentaire présente cette période d'une manière vivante et factuelle. Je n'oublierai jamais ce que j'ai traversé pendant la guerre contre l'occupation japonaise. Le documentaire a été réalisé par le cinéaste Liu Shen. Lui et son équipe de production ont interviewé de nombreux anciens combattants et des témoins de la guerre au cours des 2 dernières années. Liu dit qu'il espère que le film aidera à combler les lacunes historiques de nombreux résidents de Hong Kong. Quand j'ai interviewé les anciens combattants, j'ai été choqué, attristé d'entendre leur expérience brutale. Mais beaucoup de gens, surtout les jeunes, ne connaissent pas cette partie de l'histoire. Le documentaire met également l'accent sur le Hong Kong d'aujourd'hui, présentant la prospérité et la vitalité de la ville au public.